Vous avez le droit de chercher, bienvenue à ce numéro de votre émission Ma vie, mes droits. Émission dont le contenu est essentiellement consacré à la promotion des droits humains. Ma vie, mes droits pour ce numéro-ci, nous allons parler donc du droit au logement. Tout de suite, le déroulé de cette émission en images. Ma vie, mes droits. Au menu de cette émission, un débat, un micro-trottoir et deux reportages sur les questions de logement. Dans un quartier non loti de Ouagadougou, vit une femme avec ses enfants dans une maison sans toit. À chaque pluie, sa maison est inondée. La pluie fait également des dégâts à Abidjan, mais les habitants des quartiers inondables ne veulent pas du tout quitter leur maison. Nous, ici, là, on souffre. Sinon, ici, là, nous, c'est que vraiment, point là, c'est dangereux. Mais où on va partir? Après donc le sommaire de cette émission, retour sur ce plateau pour tout de suite vous présenter mon invité, M. Saïdou Traoré. Il est le président donc de l'association Solidarité Droit au Logement. Ouais. M. Traoré, bienvenue sur ce plateau. Merci. Avant d'échanger évidemment avec vous, nous sommes allés dans les rues de Ouagadougou. Nous avons rencontré quelques Ouagalais et nous leur avons demandé quelle est leur compréhension du droit au logement. Avec vous, M. Traoré, nous allons regarder ensemble quelques éléments de réponse fort intéressants. On se retrouve juste après pour l'entretien avec vous. Suivons ensemble. Tout le monde a droit au logement, mais si vous n'avez pas les moyens de vous loger, même si vous avez un terrain, comment vous allez faire pour vous loger? Les gens sont pauvres, ils cherchent à manger d'abord. Tout individu doit être logé, quoi. Ne pas divaguer dans la circulation, avoir où dormir. Bon, pour moi, le droit au logement, c'est quelqu'un qui a formellement le droit d'avoir un logement. Voilà, quelqu'un qui peut se payer un logement. Et chacun a droit à un toit, pour moi. Il est impératif pour chaque Burkinabé, libre de son état, d'avoir au moins un toit sur lequel se coucher et se réveiller chaque matin, à ne pas, par exemple, c'est pas la peine pour les jeunes comme nous de dormir dans la rue. Si je prends mon cas, moi je suis dans un célibatorium et je paie excessivement le célibatorium. Maintenant, l'État n'a pas une politique, il n'y a pas de politique par exemple de suivre en fait nos bailleurs. C'est-à-dire les propriétaires de célibatorium par exemple, ils fixent le prix comme ils veulent. Comme ils fixent le prix comme ils veulent, maintenant c'est nous, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix puisqu'on n'a pas de parcelle. On est obligé de faire avec. Au regard du coût exorbitant des logements aujourd'hui, on remarque l'absence de l'État en fait. Donc je pense alors que l'État doit essayer de s'appliquer en votant des lois pour limiter dans un premier temps le coût du loyer et dans un second temps permettra à la population qui peuvent acquérir des parcelles offrir des possibilités à la population. C'est un droit comme l'ensemble des autres droits et que tout citoyen doit en principe bénéficier d'un logement digne. Retour sur ce plateau après ces réactions variées de ces Ouagalais que nous avons rencontrés. Monsieur Traoré, quand on finit de regarder un tel micro-trottoir, Vous qui êtes le président d'une telle association, alors on a l'impression que les Ouagalais et même, pour ne pas dire les Burkinabés, et même ont véritablement du mal à définir ce que c'est que le droit au logement. Le droit à un logement, c'est un droit reconnu dans la constitution de notre pays. Et c'est un droit fondamental comme tout autre droit que chacun revendique dans son association. Pas plus que ça. En ce sens que j'ai constaté effectivement que la majeure partie des gens l'entendent comme ça, alors qu'il est temps quand même qu'ils reconnaissent que effectivement c'est un droit reconnu dans leur constitution et que la bonne gouvernance recommande que la politique de notre pays
vraiment puissent travailler clairement afin que les gens rentrent dans leurs droits à ce niveau. Alors moi, je ne comprends pas le contenu du droit au logement. Ça veut dire quoi? Je peux me lever du jour au lendemain, aller occuper la maison de M. Traoré. Lorsque vous arrivez, j'ai dit non, j'ai droit au logement, donc je viens occuper votre maison. Ça se passe comme ça ou bien comment on définit le droit au logement? Ça ne doit pas se passer comme ça parce que d'abord, droit à un logement, c'est la protection même vraiment de la dignité de l'homme. C'est-à-dire un homme ne peut pas vivre sans être casé quand même dans un environnement. En ce sens que l'homme est né dans une maison et sort encore d'une maison. Donc le droit au logement, c'est les quatre murs où habite un être humain pour vraiment se protéger des calamités naturelles qui se trouvent autour. C'est ça le droit à un logement. Mais on a l'impression qu'on a du mal véritablement à bénéficier de ce droit-là. On l'a dit dans le micro-trottoir, certains ont même des problèmes avec leurs bailleurs. Ça, ce n'est plus un droit au logement, M. Traoré. Bon, en ce sens que moi, je m'en vais aujourd'hui interpeller à tout le monde. Chacun n'a qu'à se battre effectivement pour que ce droit-là soit une réalité dans ce pays. Dès lors que c'est reconnu dans la Constitution. Mais chacun n'a qu'à travailler à amener vraiment l'autorité à poser vraiment une politique vraiment cohérente afin que nous aboutissons, nous ayons tous vraiment un droit à ce niveau. Pourquoi finalement le Burkinabé n'arrive pas à bénéficier du droit au logement? Mais à ce niveau, moi je vais vous dire, on a toujours expliqué qu'à ce niveau, il faut que les gens se lèvent. Il y a plus de parcelles que ceux qui résident là-bas. Mais au finish, on trouve qu'il manque de parcelles même pour partager ceux qui sont dans la zone. Et c'est laissé impuni. C'est laissé impuni en ce sens que j'invite les gens. Il faut que les gens puissent prendre conscience que tant qu'eux-mêmes ils ne se mobilisent pas pour revendiquer ce droit-là, ce droit-là va toujours être bafoué. Mais c'est un droit qui doit être garanti par l'État, M. Traoré. Bien sûr, c'est un droit qui doit être garanti par l'État. Et si l'État ne garantit pas ton droit, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à ce niveau que j'invite à tout le monde de chercher d'abord vraiment à se regrouper et à voir comment on va interpeller l'autorité pour que chacun puisse rentrer dans son droit à ce logement. Puisque c'est reconnu dans la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, dans les habitats spontanés, quand on parle de l'élection, c'est pour une bonne gouvernance. Et ces gens-là sont en majorité les votants de ce pays. Ceux qui habitent à Ouara 2000 même s'en fichent des élections. Mais ceux qui sont dans les habitats spontanés partent à 80-90% pour aller aux élections, dans l'espoir effectivement que l'État va asseoir une politique de logement pour les permettre d'avoir une céleste qu'une parcelle. Parce que j'ai constaté ici que les gens confondent. Avoir une parcelle, ce n'est pas avoir rentré dans un droit au logement. Il faut que les gens comprennent cela. Parce que l'État aussi a trouvé que c'est un créneau pour pouvoir effectivement confectionner des parcelles et puis donner une grande majorité afin qu'ils puissent construire et se sentir dans un droit au logement. Sinon, le droit au logement doit venir de l'État. Avant que les gens ne se lèvent, l'État même doit savoir qu'effectivement, c'est un droit qu'il doit donner à chaque Burkinabé. Avec des mesures claires. Ah, bien sûr. Avec des actions claires. Exactement. Vous constatez la politique nationale aujourd'hui, là. Mais ça ne rime à rien pour assurer un droit à un logement. Monsieur Traoré, après ces explications, nous allons vous inviter, tout comme ceux qui nous suivent actuellement, à suivre, donc à visionner ce reportage que nous avons réalisé dans le village de La Noyerie. Vous savez qu'après les pluies torrentielles donc, du 1er septembre 2009, beaucoup de populations ont été déguerpies. Certaines, malheureusement, n'ont pas bénéficié de sites de relogement. Tout de suite, je vous invite à voir ce reportage. Ouagadougou est une ville en pleine expansion à raison du nombre sans cesse croissant de ses habitants. Conséquence de ces zones sans adduction d'eau ni d'électricité, communément appelées zones non loties, sont prises d'assaut par les citoyens pour juste y ériger une maison ou dormir en attendant d'être propriétaire légal de la parcelle. D'ailleurs, les habitants de ces zones non loties étaient les premières victimes des inondations qui ont frappé le Burkina Faso et particulièrement Ouagadougou le 1er septembre 2009. En cet après-midi de dimanche, l'Association pour la promotion des droits au logement a donné rendez-vous aux habitants d'une de ces zones de Ouagadougou pour une séance de sensibilisation sur les droits à un logement, comme le stipule la Constitution burkinabé. L'auditoire aujourd'hui encore est en majorité composé de femmes.
Elles sont venues écouter, mais surtout faire part de leurs inquiétudes de se retrouver à nouveau sans toit. Nikiema Salimata, elle, n'était pas à la rencontre de ce dimanche. Il y avait plusieurs gens car la pluie menaçait et il fallait qu'elle s'apprête à mettre ses affaires à l'abri. C'est donc dans ces conditions que vit Nikiema Salimata, qui prend soin d'indiquer aux visiteurs le niveau de l'eau en cas de pluie. Ils sont plusieurs dizaines d'hommes et de femmes qui vivent dans des conditions difficiles dans ces quartiers non lotis à Ouagadougou. Inutile alors de leur parler des droits au logement et l'accès à la propriété foncière, eux qui gagnent à peine de quoi assurer l'unique repas au quotidien. Retour sur ce plateau après ce reportage, Monsieur Traoré. Les dernières images d'ailleurs montrent cette dame victime du 1er septembre qui malheureusement n'a pas bénéficié des relogements et allait se retrouver dans cette maison sans toit inhabité. Ça pose encore une fois le problème de lotissement. Ouais. Effectivement, Bakali, je suis content qu'on revienne sur le 1er septembre. Parce que le 1er septembre, vous avez constaté que l'appel chose, a eu lieu sur le site dont vous avez tourné ce film. Et effectivement, la majeure partie de toutes ces femmes-là ont suivi le processus que l'État même en a posé. Vous avez constaté, ce sont des gens qui ont vécu à l'anneau, il dit que moi-même je sais, depuis l'an 2005. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas bénéficié de parcelles. Mais ils n'ont pas bénéficié de parcelles parce que leurs parcelles ont été détournées par effectivement ceux qui ont géré ces parcelles de sinistrés. Mais ce n'est pas moi qui vous le dis, Bakali. Vous voyez les 4x4 qui sillonnent un peu partout dans la ville. Mais c'est leur argent qu'ils ont pris effectivement pour acheter ça. Nous, on le dit. On ne se gêne pas de le dire. Ça a été mal géré parce qu'effectivement, on ne nous a même pas associés. Dans toute gestion où on exclut les associations, c'est un échec total. C'est comme ça. Alors, mais il y a que ces femmes-là, par exemple, se retrouvent sur ce site, hein, un site sur lequel elles attendent toujours d'avoir le fameux sésame. Ouais. Disons, est-ce qu'un jour, elles pourraient effectivement bénéficier de parcelles? Mais les femmes ont bien suivi le processus, puisque ça a été géré avec les arrondissements, avec le ministère de l'Habitat. Et partout dans les mairies, ça a été géré comme ça. Et toutes ces femmes, je vous dis, à Bordogo, les gars même, il y a eu près de 3 recensements. L'action sociale a recensé, la mairie, à travers leurs conseillers, ont recensé, et le ministère de l'Habitat a recensé. Mais c'est le plus fort qui a gardé sa liste. En ce sens que le ministère de l'Habitat, qui était maître, président de la commission en question, vraiment a préféré ingérer des noms des gens qu'eux, ils ont licenciés. En ce sens que vous verrez des gens, ces femmes-là ont bien suivi la procédure. Alors finalement, elles n'ont pas de parcelles. Oui. Elles vont s'installer sur des espaces oui. Qui finalement deviennent des espaces à habitation précaire. Non, elles ont bien suivi, mais elles n'ont pas un acteur pour rentrer dans la commission et puis attirer l'attention aux gens, ce que ces gens n'ont pas eu. Puisque moi, particulièrement à Bordeaux, je rentrais dans la commission, on me chassait, qu'on n'a pas besoin d'association. Nous, on voyait de toutes ces choses, magouille à venir. Effectivement, la magouille est arrivée.
Sinon, dire que ces gars n'ont pas suivi la procédure. Ils ont bien suivi la procédure. Mais là où elles sont aujourd'hui, oui, ça pose problème, monsieur Traoré. Ça pose problème, mais moi-même, je suis content qu'elles le tournent là-bas. Puisque c'est là-bas qu'on est venu même faire l'appel. En ce sens que jusque-là, nous, on interpelle l'autorité sur le moment d'aller voir si effectivement ces gars-là étaient là ou pas. Ils étaient là. C'est là que le premier responsable du pays, le président du Faso, a fait son appel. Je pense que le ministère devait travailler quand même que ces zones-là, les gens puissent quand même rentrer dans leurs droits et aller dans les autres zones faire leur magouille. Moi, je pense que si le premier responsable écoute qu'il y a des gens à l'Anoïli, où il a promis que chacun aura sa parcelle, mais et qu'aujourd'hui, ils sont là, ils vivent sous des maisons sans tôle, mais je suis désolé. D'accord. Voilà. Alors, puisqu'on parle d'habitat spontané, puisqu'on parle de zone d'habitation spontanée, mm-hmm, on va suivre ensemble, mm-hmm, un reportage réalisé par notre correspondant à Abidjan, République de Côte d'Ivoire, sur un quartier d'habitat spontané, et c'est à Abidjan. Tout de suite, le reportage. La grande saison des pluies rend les Abidjanais inquiets. Et pour cause, tous les ans, à la même période, les fortes pluies font beaucoup de dégâts, des éboulements et des inondations. Le problème se pose surtout dans les quartiers spontanés qui sont souvent installés sur des sites dangereux. Comme nous, on est ici, là, il y a ce problème de l'argent. Nous, on n'a rien, on ne travaille pas. C'est pour ça, là, nous, on a une maison de bois, là, comme ça, pour casser comme ça, puis on se débrouille avec nos enfants. Nous, on est ici, là, on souffre. Sinon, ici, là, nous, c'est que vraiment, coin là, c'est dangereux. Mais où on va partir? Issa Bella est un tapissier et a choisi de s'installer dans le quartier de Gobelé, qui est tout près de son atelier. Rentrer chez lui relève parfois d'un parcours de combattant. Pourtant, il ne trouve pas qu'il est mal logé. On est à l'aise, même s'il pleut, comment? On est à l'aise. Quand on parle d'inondation, là, non, ça, on n'a pas de problème. Il y a des ingénieurs. On a tous des ingénieurs. Hein. On voit où l'eau peut tuer l'homme. Mais si, quand il parle des dangers, là, il n'y a pas de danger. Même on est pauvre, hein, mais vous voyez, vous pouvez constater. C'est ici. Ici, il n'y a pas de problème. Bon, ils voient que nous sommes mal logés. Mais tout ça là, on connaît, on voit tout ça là. Parce qu'ils sont riches. Ils ne veulent pas qu'on soit à côté d'eux. Qu'ils voient qu'ils sont mal habités. C'est pas mal habité, hein. Et même, il y a des boss même qui viennent ici. C'est pas mal habité. Moi, je suis un tapissier. Il y a des fauteuils. Il y a mes fauteuils aussi qui sont chez eux, qui s'asseyent dessus. C'est parce que je suis ici, là. Il n'y a pas quitté l'homme, venu faire des fauteuils et puis les donner. Ils trouvent qu'on est pauvre, il faut quitter à côté de nous. Sinon, c'est pas parce qu'on est mal logé ici. Même si l'eau va nous envahir, là, c'est nous tous l'eau va tuer ici. On ne peut pas quitter ici. On est ensemble. Les nouvelles autorités ivoiriennes sont conscientes de la menace que représente la saison des pluies et pour se parer à toute inondation et dégâts liés à la pluie, le plan hors sec a été activé. 160 sites dangereux avaient été recensés à Abidjan et sa banlieue, le nombre total d'individus mal installés s'élevant à plus de 15 000. Comme beaucoup des habitants de son quartier, Issa doute des intentions du gouvernement et craint d'être délogé. On ne peut pas nous enlever, c'est malheureux qu'on est pauvre, mais nous sommes tous les habitants de Cocody. Hein? On ne peut pas nous déplacer ici par là à Bobo. Nous ne sommes pas à Bobo, ni à Yopougon. Nous voulons vivre ici avec les boss ensemble. S'ils trouvent que nous, on est pauvres, qu'ils viennent nous aider. Tu vois quelqu'un qui est en détresse là. Tu ne peux pas lui dire, non, tu es en détresse, il faut aller loin. Ça là, on ne chasse pas l'homme comme ça. On ne chasse pas l'homme. Quand on lit les habitants de la Côte d'Ivoire, si on fait 1 million d'habitants là, nous aussi on fait partie. Et puis nous sommes des personnes comme eux aussi. Même si on n'a rien, c'est pas comme ça en fait. Les autorités ivoiriennes ont annoncé le recasement de 6000 personnes à Abidjan. Les équipes d'ORSEC sont passées dans les quartiers et ont marqué des maisons à déguerpir avec un signe rouge. Une prime de 150 000 francs a été offerte aux habitants pour se reloger. Une somme jugée insignifiante selon le chef du quartier. Si il va casser ici pour nous donner 150 000. Mais 150 000, ça ne peut rien faire. Nous, on va prendre 150 000 là pour aller où? Ça là même, ça n'a paiement pas arrivé pour apprendre les bagages là même. Et puis il va dire que tu vas trouver une maison. Hein? Ça là, c'est pas facile. Hein? Le temps, ça devient dit. On va sortir sur la pile là pour aller vous, avec les petits enfants, avec les femmes qui ont grossesse. Mais c'est ça que moi, ça m'a fait beaucoup de choses. Quand on dit que l'homme là, il a tombé Christ pour mourir vite à vie là, c'est un truc comme ça.
C'est un truc comme ça. Retour sur ce plateau après ce reportage réalisé donc par notre correspondant à Abidjan. Monsieur Traoré, ça interpelle. Encore une fois, des populations s'élèvent, vont s'installer sur une zone, même si la zone est dangereuse. Ouais. Vous qui êtes association, quand vous y allez, qu'est-ce que vous leur dites? Mais lorsque nous partons, nous ne faisons seulement qu'à sensibiliser ces gens-là de se mobiliser afin que nous attirions l'attention à l'autorité afin de les trouver du logement. Parce que ces gens-là n'ont pas commencé là-bas à choses. Ils ont commencé. Dans l'exemple d'Abidjan, par exemple, oui. On a vu dans le reportage, oui. Ils ont dit non, nous, on ne sait pas où aller, donc on va rester là. Est-ce que c'est une raison? Mais effectivement, c'est une raison. Même rien que les choses, mettre les gens dans la pauvreté là. L'État doit travailler en ce sens que chaque Ivoirien, comme chaque Burkinabé, puisse vraiment quitter la pauvreté. C'est parce qu'ils ne savent pas où aller, Bakali. Il faut vivre avec ces gens-là pour comprendre les situations. Mais ils sont dans une zone dangereuse, on l'a vu dans le reportage. Mais il prévient que en Kabli, moi, on n'a plus peur de couteau. Puisque dans la misère où ils vivent là. Mais il faut risquer. Sans risque, où ils vont aller vivre? Bakali, je vous pose la question, où ces gens-là doivent aller vivre? Non, c'est moi qui vous pose les questions, M. Ok, Traoré. Merci, je suis entièrement d'accord. Bakali, effectivement, je vous comprends, mais vous voulez que ces gens-là partent vivre où? En ce sens que je vais vous dire quelque chose, lorsqu'on va aujourd'hui parler des élections, mais partout dans le monde entier, ces situations-là, c'est presque les mêmes choses que les États les gèrent. Lorsqu'on parle des élections, ils courent vers ces gens-là. Et moi, je profite aujourd'hui vraiment pour attirer l'attention à tous vraiment les États qui ont signé des conventions pour effectivement reconnaître le droit à un logement, mais de mettre en application ces conventions, c'est aussi simple. Alors, si on prend cet exemple du reportage qu'on a vu tout à l'heure, oui. C'est vrai qu'on a il y a quelques compatriotes dedans. Si on prend cet exemple à Ouagadougou, oui. Après le 1er septembre, on prend par exemple la zone du barrage, oui. L'État avait demandé, oui. C'est de sa responsabilité que ces populations-là évacuent ces zones inondables. Oui. Mais ces populations, ils sont toujours, M. Traoré. Mais ils sont toujours là parce que le dédommagement ne répond pas du tout à ce qu'ils ont mis là-bas. Mais c'est ça. L'État ne peut pas vous dire ça. C'est parce qu'effectivement, le dédommagement ne répond pas. Aucune autorité qui vit dans ces zones-là n'acceptera jamais les dédommagements qu'on les propose. C'est aussi simple. Parce qu'on ne peut pas parler de la bonne gouvernance et puis vouloir encore travailler au contraire de la bonne gouvernance. Lorsqu'on parle de défendre des droits humains là, mais il faut aller jusqu'au bout. Alors, le droit à un logement, ça veut dire qu'on peut interpeller l'État quand on a un problème avec son bailleur. Ah. Vous êtes régulièrement interpellé. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe entre bailleur et locataire? On a l'impression que c'est un jeu de cache-cache. Non, non, à ce niveau, c'est une application des textes aussi. Depuis l'époque, vraiment, il y a un contrat de bail qui est reconnu par le ministère des Finances. Et que les gens, toute personne qui rentre dans une maison doit remplir cela. Mais compte tenu que les bailleurs ont trouvé qu'à l'enregistrement, ils perdent des sous, mais ils ont tablé là-dessus. Mais c'est à l'État de mettre les choses, de mettre ça en application. C'est à l'État de dire non, ça. Voilà, si l'État ne met pas ça en application, Bakali, nous, défenseurs des droits humains et défenseurs du droit à un logement, vous voulez qu'on fasse quoi? D'accord. Voilà. D'accord. Monsieur Traoré, avant de vous laisser partir, le débat est fort intéressant. Ouais. Nous avons posé la question à nos internautes. Ouais. Ils ont réagi. Hein. Ouais. Les réactions ont été assez nombreuses sur notre site internet. Ouais. Tout de suite, je vous invite à suivre les réactions des internautes avec nous. La question que nous avons posée aux internautes est: est-ce que chaque Burkinabé a droit à une parcelle? Ibrahim Saba écrit: penser que chaque citoyen peut avoir une parcelle sur la terre de ses ancêtres est une utopie vu la pression démographique et la pression sur les ressources. Yacouba Ouedraogo: je dirais oui. Si on dit le Faso en français, c'est la maison de mon père. Pourquoi donc certains fils peuvent avoir le droit de construire une cité entière pendant que d'autres n'arrivent même pas à avoir un lopin de terre pour mettre sa femme et ses 5 enfants à l'abri? Wilfried Dabiré écrit: je ne comprends pas pourquoi chacun veut avoir un chez-soi, au point où dans l'esprit populaire du Burkinabé, tant que tu n'as pas construit un chez-toi, même si c'est un poulailler, tu n'es pas quelqu'un de responsable. Et enfin, la réaction de Koka Hervé Serogo: tout Burkinabé a droit et peut avoir une parcelle au Burkina. Chacun a un village où il peut avoir une parcelle.
Mais avoir une parcelle dans la ville, telle que Ouagadougou et Bobo Dioulasso, c'est possible, mais pas un droit. Des réactions donc d'internautes, des réactions qui se focalisent beaucoup plus sur chaque Burkinabé a droit à une parcelle, M. Traoré. Oui. Oui ou non? Mais en ce qui me concerne, chaque Burkinabé a droit à une parcelle. Puisque à défaut d'avoir un logement décent qui est un droit constitutionnel, je le répète, mais qu'on s'arrange à ce que tous les Burkinabés, chacun puisse avoir sa parcelle. Il ne se laisse qu'une parcelle. Je ne peux pas comprendre, il faut voir, il faut prendre Bobo, il faut prendre en partant vers le Ghana. C'est nos autorités qui ont des hectares. Ils sont en train d'accaparer les terres. Pourquoi il n'y a pas de parcelle pour donner aux populations? Moi, quand on dit qu'on ne peut pas donner de parcelle à tout le monde là, moi je refuse cela. Oui, mais, moi, je refuse. Mais dans cette histoire, il y a aussi ceux-là qui font de la spéculation sur les parcelles. On connaît dans les zones là, il y en a qui ont 2, 3, 4, 5, 6 parcelles, alors que chaque Burkinabé, vous le dites, a droit à une parcelle. Bakoli, parce que l'État ne nous écoute pas. Moi, depuis l'an 2001, j'ai interpellé à M. Simon Compaoré. Il faut un logiciel pour centraliser toutes les parcelles. Maintenant, si l'État est incapable d'amener un logiciel pour centraliser toutes les parcelles, mais comment voulez-vous que moi, en tant que défenseur des droits au logement, que je puisse écouter vraiment ces paroles-là? Non, mais je ne peux pas écouter. L'État n'a qu'à travailler, n'a qu'à poser une politique claire et transparente afin de pouvoir satisfaire les gens. Merci d'être venu, M. Traoré. Hein, la discussion, en tout cas, pour vous qui nous suivez, se poursuit. Et même, vous avez la possibilité de visionner toutes nos vidéos sur notre site internet, dont l'adresse s'affiche à l'instant à l'écran. Merci de nous avoir suivis pour ce numéro de votre émission « Ma vie, mes droits » consacrée donc au droit au logement. Je vous dis merci et je vous dis à très bientôt.